est là, on est à Montpellier aujourd'hui pour ce vlog. On est ici pour tester les cinémas en 4DX en compagnie de Florian. Bonjour Florian. Salut. En compagnie de Morin, on est ici. Donc Morin, tu veux. Ah, c'est. Payé pour les chaussures comme ça. Morin, tu n'as aucun goût. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. C'est horrible, Morin. Qu'est-ce qu'on fait là, Morin, aujourd'hui? On se tient la bite un peu. Donc plus sérieusement, on est là pour tester la 4DX, le cinéma 4D. Ici, on va voir deux films. Donc Sans un bruit et Jurassic World, et on va essayer de vous présenter un peu tout ça dans un petit vlog. Super sympa, bisous bisous. On y est. Le voilà, le cinéma Gaumont le Multiplex à Montpellier. On y est. 4DX. Et on va voir un film du coup en 4DX sans un bruit. T'as vu quand même tout à l'heure, il a ouvert l'écran, on le voit même pas. Tu arrives pas là ? Oh, il me casse les couilles. Non, en fait, c'est que la team, t'as juste à faire ça en fait. Mais ça marche quand même pas. Hein. Au moins, je comprends pas où est-ce qu'il est le détecteur. Là, ça marche. Let's go. On va y aller, donc on va peut-être rentrer dans la salle bientôt. Donc, c'est parti pour aller voir Sans un bruit, salle 6 en 4DX. Et on y est. On y est, le voici. Donc à tout en fait, c'est que cette salle-là. Bah non, il n'y a que cette salle-là. Donc avec le mouvement, l'eau, la pluie, la brume, le vent, les vibrations, l'air, les éclairs, les bulles, les senteurs, le toucher et la neige. Donc voilà, tout réuni ici en 4DX. Pour aller voir le film sans un bruit. Allez, on rentre, c'est parti. On va faire du bruit là. Faut déjà demander là les pour. Hein, tu sais pas si tu demander ou pas. Je sais rien. Il y a du monde. Ouais. Putain mec, il y a trop de monde. Et la voilà. Voilà la salle 4DX. Tout est là. Et voilà. On y est. La salle 4DX, pardon. C'est 6, c'est 7, c'est 8. Hop là, donc on s'assoit. Ah, ça va, on n'est pas trop mal assis. Là, apparemment, on peut choisir. On peut choisir si on, peut, si on met l'eau ou pas. En appuyant sur le bouton, donc là, apparemment, à water on, water off. Donc voilà, on a ça. Et ensuite, et là, ça c'est pas un jet d'eau ça. De l'air. Ça, on a une petite tige là, ça va être de l'air, voilà, comme quoi s'il y a des trucs qui viennent nous toucher les pieds. C'est un truc que je déteste dans les cinémas 4D, c'est cette sensation. T'aurais dû te mettre un short. Voilà, on est parti, on se retrouve pour une petite critique à la fin du truc. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Petite pause et on reprend ensuite avec Jurassic World 2. Et petite pause tout de suite, c'est parti. Bisous bisous. Alors on y est retourné, voilà, on est dans la salle de Jurassic World 2 maintenant. Mais avant toute chose, on avait quand même faire un point sur le film sans un bruit qu'on a vu juste avant. Vas-y moi. Tu as trouvé comment le film sans un bruit? Moi j'ai bien aimé, hein, par ouais. Rapport aux autres, moi j'ai bien aimé. Ouais, très cool. C'était pas mal, mais il faisait pas super peur. C'était plus
surprenant et les sièges qui surprennent quand tu bouges trop vite. D'accord. Vous avez pas peur. Ok, d'accord. Sinon, un petit avis sur cette salle, vite fait. Elle est bien. Elle est bien. Mais des fois, il y a des trucs qui sont pas assez utilisés. Ouais. Et des fois, un peu trop. D'accord. On va peut-être voir avec celui-ci, parce que voilà, c'est un deuxième visionnage pour certains et un troisième pour l'autre. N'est-ce pas, Clément ? Je parle de même. Et du coup, on va voir ce que ça donne maintenant, quoi, avec Jurassic World. Et voilà, c'est la fin de la journée, on rentre en Blablacar avec notre ami Vincent. Le voici, il arrive juste derrière. Et voilà, du coup, il était là. On y va, merci pour avoir suivi cette vidéo. Ciao et à bientôt.